Très beau. J'étais pas prêt. J'ai la pression. Tu fais quoi là? Eh mec, on innove. On n'est pas payé pour rien faire quoi. Devine. Il y a un côté, côté prof de français. Au niveau des cheveux, il y a un côté prise électrique. Ouais. On n'a pas le budget pour les chaussures. Non mais j'aime bien. T'as les chaussettes douces. En fait, on avait le même budget que toi pour le coiffeur, quoi. Tu vois. On l'avait à moitié le budget, quoi. En direct avec Sylvain Durif à Lourdes. Je suis du retour du Cosmos, voilà. Marie-Hélène m'avait envoyé un message, elle m'a dit oui, je t'attends, je suis à San Francisco, au Québec. Du coup, j'y suis allé, quoi. Il y a un projet, là? Ouais, en fait, je me suis dit, je vais faire un dégradé de rouge. Un dégradé de rouge, mais du coup, les chaussures, c'est un peu orange, quoi, du coup. Mais moi, tu sais, je suis très à cheval sur le textile, tout ça. Je fais attention, quoi. Attends, parce qu'il y a quand même un mec qui est venu faire un pique-nique. Jack. Que tal, gatito? Bien, et toi? Bien, hein? How are you, Greg? Good, mate. Good to see you. Good to see you too. After, how was your winter in your fridge country? Oh, amazing. Yeah? Scotland is the best. Ah, on a plus de budget, quoi. Y a pas un contrat chez Giant, là? J'ai besoin de nouvelles chaussures. Je peux te trouver quelque chose. Parce que nous, on a trop de team, là. On a plus d'argent. Ouais, je vois bien. Et on avait plus de budget pour les manches, non plus. Il y a les vestes, mais y a pas les manches, quoi. Je vais me faire péter la gueule à la fin du week-end, c'est sûr. Hein. Putain, il y a Loris en bas. Sometimes it's not about the size. Yeah, it's about, I know. It's about my girlfriend tell me that always. Yeah. Greg, how many PSI do you have in your fork? 50. 50. How many? 50 PSI. Okay. Tu penses y arriver jusqu'à ici? Je sais pas. Déjà le premier saut, il me fait un peu peur, quoi. Ouais. Après, vous faites pas chier, on peut passer par le bois, quoi. Mm. Je pense que vu que t'es les pilotes que t'as, ça sera plus raisonnable. Mm. Passer par la bleue. Mm. J'arrive jamais à réaliser la vitesse. Il se passe quand même pas grand chose pendant ces tracks walkers. Il est où là? Le matelas Shimano, il fait retail. La légende dit que Sam Pilgrim a perdu sa dent ici. C'est comme ça qu'on gagne 25 points de virilité. Yeah, he's looking good, he's doing good. Bye, hein. T'aimes, mais tu vas pas me dire, le travail qu'il y a sur la piste, c'est un peu exceptionnel cette année dans le deux lieux. Ça va, vous? Ça va, je repense à ma jeunesse, quoi. Il faut du courage pour cette piste. Qui le dis-tu? Nous sommes avec Fabien Barrel, manager du team Cagnon. Non, je suis sa réplica. C'est le même, mais sans... C'est le même, mais sans budget. Il est là. Exactement. Ça va, Fabien? Ça va, toi? T'es content d'être de retour? Mais bien sûr. On est là, à Lourdes, il fait beau, tu vois. Qu'est-ce que tu veux de plus? Faut toujours tirer. Quoi qu'il se passe, la solution, c'est de tirer. Mm. Bon, on adore tirer... Ouais, moi aussi je tire aussi beaucoup. Je tire beaucoup. On tire. Comment il va le père? Bonjour, ça va? J'ai vu que t'es allé te faire les petites mexicaines. Alors Antoine, t'as bien repéré? Et vous? Je parlais des petites sur la piste, hein, pas des grandes. Moi aussi. Je ne parle jamais de la piste. Putain, j'ai mal aux jambes. Tu refais la course? Ouais, là, je l'ai fait une fois en descendant, une fois en remontant, après je suis redescendu, là je remonte. Parce qu'on m'a dit qu'on voyait mieux les trajectoires à l'envers. Ok. Mais voilà. C'est un métier de détail. Mets-toi comme ça, et tu fais. Arrête de m'enregistrer, toi. Faut soigner l'équipe média. Tu veux une bière, Léon? Thomas Colombo. Bonjour, vous êtes Thomas Colombo. Mécanique mécano de Amaury Pierron. C'est donc le vélo gagnant du week-end? Je ne me prononcerai pas. On parle des applications de rencontre aujourd'hui. Ah ouais? Vous pouvez dire... Bah moi je suis encore au pigeon voyageur. Okay. Du coup ça fait 4 ans et demi que je suis seul, mais je garde espoir. Ok. C'est du lait? C'est du lait, ouais. Ça t'intéresse pas, toi? Ah quand même. Grand buveur de lait. Vous avez fait bonne route? Oui, vraiment. Vous venez faire quoi ce week-end? Je viens me voir, on m'a dit qu'il y avait une course.
The beautiful gatito ever. Vous allez bien? Ça va? Un petit mot pour France 3. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de... T'es pas venu pour la course de vélo? Mais non, pas du tout. Oh, putain. Jamais le pas des vélos. Oh putain, j'avais confondu. Venez vous abonner, en fait, j'ai une nouvelle page YouTube. Pour l'instant, j'ai 237 abonnés. Donc c'est pas trop beaucoup. Alors si vous voulez vous abonner, je vous donnerai des autocollants. Tu cherches pas des bénévoles un peu pour les vignettes? Non mais t'es juste... Hein? Ah, tu vois, regarde, pour que ça colle bien de partout, parce qu'on a une surface qui est incurvée, un patch qui est plat. Et pour que ça colle bien, et ben, on déforme la visière. Hein. Putain, on est... Une demi-heure comme ça, et puis après c'est collé pour la vie. Et l'astuce c'est le ZAL. Le ZAL c'est la colle. Beaucoup de ZAL quoi. Beaucoup de ZAL. Vous avez pris votre licence alors pour la course? Ouais, bah là on s'échauffe en fait. Ouais. Est-ce qu'on serait pas sur un retour de la méthode 2 à Lourdes? Moi, en plus on peut pas faire beaucoup de descentes aujourd'hui, donc là, premier run. La méthode 2 mec, c'est... Là mec, c'est premier run, mais à fond direct pour prendre un faux rythme, faut tout sauter. Direct, mais pas le choix. On est run de finale quoi. Ouais c'est ça, c'est soit ça passe ou soit ça passe pas quoi. Ouais. On regrette, c'est essentiel, c'est d'y aller. La mort ou l'hôpital. Là ça va chier là. Messieurs, vous allez bien? Oui, très bien et vous? Tout va bien. Vous avez attendu combien de temps en bas? Très longtemps. Trop longtemps. Est-ce que vous avez eu le temps de méditer? Oui. Parce que nous avons un homme d'église à côté de nous. Un homme d'église. Il est très, très pointilleux sur la méditation. Surtout quand on a des vrais petits couchers de soleil comme ça, quoi. En plus, et c'est pas l'heure. La spécialité du pays, c'est l'olive. C'est l'olive? L'olive noire. Ah, putain. Tu la connais, celle-là? La tienne, non? Oui, Raph, oui. Yes. Allez. Yes. Joli. Yeah, French television. Yeah. Bonjour, mademoiselle. Ça va bien, merci. Où est la poulet? Who are you? Is this actually French national television? Yeah. Is it? What are you doing? You're doing a piece on the race? On the event, yeah. And who's going to win? Full commental, no? He's not working for French national television. I've been tricked. Yeah. Angel, vamos, Angel, hey, hey. Yo. Future star. Mec, c'est stylé. C'est incroyable. Ça fait un peu peur. Mais ça va, c'est cool. Tu te régales, t'es là en forme là. Ça va. La piste elle a séché donc je prends mes marques petit à petit. Allez Myriam, allez. C'est long. Il ne se passe rien. Suisse? Oui. Amateur de fromage? Raclette surtout. Comment tu t'occupes toi pendant ce... Patience. Musique d'ascenseur? Musique d'ascenseur. Voilà. Un peu de tir à l'arc? Ouais, j'ai fait un coup de pétanque avant, mais mes boules elles ont roulé en bas. Ah ouais, merde. T'as eu le temps de faire un dessin à chaque, entre chaque run, quoi. Tout faire à l'aquarelle, je crois que ça va être le... C'est pas mal l'aquarelle, hein. C'est pas mal, ouais. Oui, gringo. Ça fait quoi d'avoir le deuxième vélo le plus rapide de la Coupe du Monde? C'est qui le premier? Devine. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est plus le vélo le problème. Ah. C'est l'humain. C'est l'humain. Bon, j'ai le meilleur mécano du monde, il me fait un vélo aux oignons. Si je suis une quiche, tu vois. Vamos, Angel, vamos. J'avance doucement, près de la piste. Là où je n'ai pas le droit d'aller. Yo, Greg Williamson. Ça se voit. Gringo. Joli. La set de Pom Pom Girl qui va commencer le show. Pom Pom Girl unijambiste uniquement, je tiens à préciser. Ensuite DJ Mix, Mojito Saucisse. On va faire une petite séance d'ASMR pour les interlocuteurs. C'est bien là. Fudge this one. Fudge. Ah, ok. Vale. D'accord. Bon. Ça va?
It's expensive. No, it's okay. It's good quality. Yeah. Good quality. Ok, il m'appelle Rex parce que je vois un peu les épaules baissées sans ouais. faire. Tu vas ouvrir en gant quoi. Ouais, voilà. Tu sais que c'est que les meufs ça marche bien. Hein. Mmh. Elles aiment bien ça, petit Rex et tout. Ah, ça se voit. Hein. Tu sais. Une érection. Bah, il aurait une meuf sinon, du coup. Qu'est-ce que t'as ? Gonzalo, how is the crowd? Oh, the car is sick. Yeah? So sick. Yeah? The truck is getting so loose, so we need to still work on some lines. But yeah, let's go. Good luck for the day. Super. Paquito. Allez, Paquito. Allez, allez. Et 3, 2, 1, c'est parti. Oh, oh la sacre. Sponsor Heineken. Heineken, la bière du plaisir. Il croyait que je parlais pas anglais, du coup il disait au Toki la différence de chrono, j'entendais tout. Ah, magnifique. Incroyable. Un podium d'enfer. Hein? Vous voulez le secret de la récup? Le secret de la récup, ouais. Eh bien, ce soir, on va l'avoir, le secret. Non, ma première. Mardi, c'était mon anniversaire, j'ai pas fait trop de bruit. Non, c'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire, en fait, on va tout foutre. Eh, c'est pour moi, ce soir. Il l'a dit. Ah. Merci, j'avais soif. Mec, tu m'as fait vibrer, mon cul. Mec, j'avais des frissons. Genre, vraiment, j'avais des frissons. Oh, c'est débile. C'est débile. Mec, c'était incroyable.